Voilà, vous êtes déjà nombreux dans la salle et sur les réseaux sociaux et surtout sur la plateforme où va avoir lieu donc Teach to Reach Connect. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore tout bien compris, c'est 3 heures de réseautage, jusqu'à 3 heures. Mais si vous n'avez que 15 minutes ou 20 minutes aujourd'hui, ce matin, parce que vous êtes très très occupé, eh bien c'est OK, vous pouvez venir passer un quart d'heure, rencontrer des collègues du monde entier et repartir pour vaquer à vos occupations les plus urgentes. Ou alors, si ça vous plaît, vous pouvez rester. Il y a bien sûr des thématiques qui vont être proposées. On va vous expliquer tout ça dans juste moins de 3 minutes. Je salue d'ores et déjà, Oui, le docteur Andriamino Broussa du Madagascar. Et je m'attends à ce qu'il y ait une équipe MADA très, très présente aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite, donc c'est dans 2 minutes 30 avec moi en studio, on va dire, dans la salle. Il y a des team leaders des pays, donc des 24 pays où les anciens des programmes Teach to Reach et du réseau Covid-19 se sont organisés et agissent aujourd'hui pour les objectifs du programme élargi de vaccination de leur pays. Il y a également avec moi les membres du comité d'organisation du Conseil international des leaders de la formation, donc le Conseil international créé à l'occasion de Teach to Reach en 2020. Voilà, je vous retrouve dans moins de 2 minutes. Je vous dis à tout de suite, préparez-vous, ça va être chaud puisque c'est 3 heures avec zéro blabla, c'est simplement on vous offre la possibilité de rencontrer des collègues du monde entier pour parler de questions qui vous intéressent et qui vous préoccupent. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est l'heure de Teach to Reach Connect, exactement 2 mois après la grande conférence du 26 au 28 janvier qui a réuni plus de 7000 praticiens de la vaccination. Ça, c'était au mois de janvier. 2 mois plus tard, on se retrouve pour quelque chose de totalement inédit. Cela s'appelle Teach to Reach Connect et nous avons constaté à l'occasion de la conférence du mois de janvier qu'il y avait eu près de 14 000 réunions de réseautage réussies. Et on s'est dit, là, il y a quelque chose d'important. Et nous avons ainsi décidé avec les team leaders des 24 pays où les anciens des Teach to Reach du réseau Covid-19 se sont organisés et structurés avec le Conseil international Teach to Reach. Donc, ces leaders de la formation qui veulent améliorer la formation pour la vaccination. Nous avons décidé donc, et je suis ravi donc de vous d'ouvrir cet événement, d'organiser un événement totalement différent où il ne s'agit pas de présentation, d'atelier, de travail technique, mais bel et bien de tisser des liens pour votre réseau professionnel, pour vous et pour les autres, et d'échanger sur des questions qui sont aujourd'hui critiques pour les acteurs de la vaccination, puisque quel que soit le pays où vous travaillez, la pandémie Covid-19
a mis la question de la vaccination au centre des préoccupations du monde entier. Alors, je salue donc ceux qui sont dans la salle où a lieu cette cérémonie d'ouverture, notamment Maniri Farah Romuald, Jaurès Rabé Malantena, donc team leader pour les scolaires du Madagascar, Joël Floré Makam, bienvenue à vous, Kossi Inombilou, Christian Gaungu, donc du PEV Burundi, Bangali Camara, Aristide Jean-François Zongo, vous voyez qu'ils sont très très nombreux et j'espère que vous êtes en train de regarder cette séance. Bien sûr, si vous avez des difficultés d'accès, je vais vous montrer quelques tuyaux, mais on veut d'abord rappeler un petit peu ce qui s'est passé avec tout ce qui s'est passé avec la conférence. Donc, il y avait en moyenne entre 500 et 700 personnes qui étaient connectées en simultané à tout moment. Aujourd'hui, vous allez voir, ça, on va faire que du réseautage, mais vous allez voir également que l'esprit, le principe reste le même. Vous voyez ici ce témoignage et c'est là où je vais demander à Charlotte de nous résumer qu'est-ce qui s'était dit, quel était un de ces témoignages forts qui était ressorti de la conférence. Charlotte, bonjour, comment ça va ? Bonjour Raïda, ça va bien, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà le témoignage. J'ai rencontré des amis du monde entier, de l'Afrique à l'Europe et à l'Asie du Sud-Est. Avec un collègue slovène, nous avons dû demander à 3 reprises un délai supplémentaire pour essayer de comprendre ce que chacun de nous fait dans son pays concernant l'introduction des vaccins COVID-19 et les défis auxquels nous sommes susceptibles de faire face et les solutions pratiques possibles dans nos propres contextes locaux. C'était un grand moment, comme si nous étions physiquement dans la même salle à Genève. Voilà, ça c'était donc l'esprit, hein, et c'est là où on s'est dit, on va faire un événement, on va faire que ça, que du réseautage. Après cette présentation où je vais vous montrer exactement comment ça marche pour ceux qui n'étaient pas présents au mois de janvier. Et après, on va y aller, on va vous expliquer les thèmes et comment ça va se passer. Alors simplement pour dire que si vous avez rejoint Teach to Reach Connect, eh bien, vous appartenez maintenant, vous avez un lien maintenant avec le plus important réseau de professionnels de la vaccination issue des pays. Ce qui est important, c'est pas seulement le nombre, mais c'est également le taux de croissance. Vous voyez qu'en janvier 2021, nous étions 28 000 et aujourd'hui, plus de 5 000 nouvelles personnes, 5 000 nouveaux praticiens nous ont rejoints. Et cette mobilisation est le fait des personnes qui sont dans la salle avec moi. Ce sont les membres du comité d'organisation de la conférence Teach to Reach. Ils représentent un réseau, une toile que vous voyez ici. Et le but aujourd'hui, c'est d'apprendre en se connectant les uns aux autres à travers le réseautage pour renforcer les maillons de ce filet qui vise à faire mieux pour la vaccination. Alors, je vais demander aux team leaders et aux membres du comité d'organisation présents de lever la main ou d'activer leur micro s'ils souhaitent commenter, réagir. Qu'est-ce que vous attendez, vous qui en êtes les acteurs, les initiateurs de cette réunion. Et pendant que les team leaders et membres du comité d'organisation préparent leurs interventions, vous voyez ici donc le 26 février dernier, donc il y a tout juste un mois, nous avons invité toutes les personnes qui avaient participé à la conférence Teach to Reach à rejoindre la communauté d'action internationale Teach to Reach pour donc améliorer la formation. Vous voyez ici un petit aperçu, une petite capture d'écran de cette communauté. Vous serez invité après Teach to Reach Connect à la rejoindre également. Et je vous annonce déjà d'ores et déjà que la deuxième conférence Teach to Reach Accélérateur aura lieu donc le 25 janvier 2022. Voilà, je vais maintenant me tourner vers Franck Monga qui vient de nous rejoindre. Franck Monga, vous êtes le team leader de la République démocratique du Congo. Je pense que vous avez peut-être... donc est-ce que vous êtes en mesure de nous parler ce matin ? Franck Monga, ok, alors on va aller vers Tivan Kipabula. Tivan. Oui, bonjour Reda, bonjour la famille, bonjour tout le monde. C'est encore une telle chaleur au cœur de nous retrouver ensemble encore à ce jour pour une séance journalière de Teach to Reach Connect. C'est un lieu où le monde entier se retrouve, le monde francophone bien sûr se retrouve pour partager et s'enrichir en connaissances qui cadrent avec la vaccination
vraiment, pour nous qui avions participé, nous ne sommes plus les mêmes. Ça, c'est vrai, nous ne sommes plus les mêmes. Tout a changé dans la vision des choses, tout a changé par notre manière de travailler, tout a changé par notre façon de nous entretenir et de voir les activités vaccinales. Et je crois que pour ceux-là qui sont venus aujourd'hui pour participer dans les réseautages, ils diront plus que ce que je viens de dire. Et je vous promets que demain ou après-demain, ceux-là qui ont été, nous étions 28 000, aujourd'hui nous sommes à 33 000. Demain, c'est vous qui feriez à ce que vous invitez d'autres pour que nous soyons même à 50 000. Ça, je vous le promets. Et je vous le promets, ce que vous allez sortir, ce que vous allez apprendre, vous aidera à être toujours là avec nous et à faire à ce que nous puissions toujours améliorer la formation. Merci et bienvenue au niveau et pour les anciens. Gardez-vous de manière. Merci à Tivan Kipabula, donc de l'équipe République démocratique du Congo. Vous voyez les messages qui défilent à. Et avant d'aller plus loin, je pense, alors Franck Monga, le team leader, ne semble pas être en capacité de nous parler tout de suite, mais les membres du réseau Covid-19 le savent déjà, mais nous avons une annonce très importante. L'équipe de la République démocratique du Congo a donc décidé, vous voyez, ça c'est vraiment une annonce qui a été diffusée qu'aux membres du réseau Covid-19, samedi 27 mars, Tivan, que va-t-il se passer ? Une rencontre inédite, ce n'est pas un match de football, mais c'est une rencontre entre les anciens de deux pays, République démocratique du Congo et Côte d'Ivoire. Que va-t-il se passer ? Ouais. Heureusement que vous avez annoncé une rencontre de football. En Afrique, le football, mais ici, ça sera un football par rapport à la vaccination. Et sauf que ce n'est pas qu'une équipe qui va remporter, ce sont les deux équipes qui vont remporter pour faciliter l'introduction de la vaccination. En réalité, c'est juste, nous voulons bénéficier de l'expérience des cadres de vaccination de la Côte d'Ivoire, leur expérience dans l'introduction du vaccin à COVID-19, pour nous aider, nous aussi, qui demain, après-demain, nous serons soumis au même exercice. Et voilà, c'est un grand rendez-vous entre personnels de santé, un grand rendez-vous entre les gens actifs dans la vaccination, et nous invitons tout le monde à nous rejoindre. Et c'est un rendez-vous raté. Tout le monde est chaud chez nous, tout le monde est chaud et personne ne veut rater ça. Merci. Merci à Tivan Kipabula donc, et Franck Monga donc, sont là également avec nous. Samedi, c'est la première, mais ce ne sera pas forcément la dernière fois que des pays, des membres, des équipes, des anciens des programmes de la Fondation Apprendre Genève se rencontrent pour faire le point sur les questions qui leur préoccupent. Alors vous voyez ici un petit peu les maillons du réseau. Et aujourd'hui, donc là, nous sommes à la 9e minute. Nous sommes actuellement, donc on va voir les salutations fusent. Il y a actuellement 139 personnes connectées en même temps. Et donc, ce qui va se passer, c'est que à l'heure, donc à 9h, heure de Genève, donc dans 20 minutes, vous allez vous rendre là, ici, vous êtes sur le stage. Alors, je vais vous montrer d'abord une petite astuce. Vous allez sur langage en haut à droite, et c'est là où vous allez pouvoir passer toute l'interface en français. Voilà. Et là, vous voyez maintenant, il y a la fonction réseautage. Elle n'est pas encore activée, n'y allez pas tout de suite parce que j'ai encore des informations importantes à vous donner, notamment sur les thèmes, et vous allez entendre d'autres personnes, donc des leaders qui sont à l'origine de Teach to Reach et de Teach to Reach Connect. Pour être sûr de bien comprendre, restez avec nous encore quelques minutes, mais c'est très simple. Vous allez sur réseautage, quand vous serez prêt, donc dans 20 minutes, vous cliquez sur prêt. Et là, vous allez autoriser donc au moins le micro. Alors, voilà. Et désactiver votre webcam si vous avez des problèmes de bande passante. Et vous allez voir. Ah, il y a déjà quelqu'un qui est en train de faire du réseautage. Et on va voir qui c'est. Voilà, donc. J'attends quelques secondes pour me connecter. D'accord, mon partenaire de réseautage est parti. Et je peux recommencer. Donc, cela ne marche pas à tous les coups. Mais donc. Persistez, hein, ne lâchez pas tout de suite. Et de nouveau, on va vous donner les thèmes, mais surtout, on va, vous êtes libre donc de faire vraiment de faire bon usage de ce réseautage. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Je vais m'arrêter maintenant pour saluer ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Donc il y a Aristide Oro donc depuis tout le pleu, Benjamin. Depuis le Nord Cameroun, Benjamin Aou,
Oye Nini. Sédou Amadou Traoré, donc team leader du Mali. Kini Siaka qui dit bonjour à tous. Docteur Ali Ousmane Yahya depuis Bande des Inder Niger. Et Tahirou Oumar Adoum qui dit bonjour à tous. Abdou Ingouda, pareil. Habiba Soglo, le plaisir est à moi. Eh bien, le plaisir est partagé, cher Habiba. Sevet Shinga, donc depuis Kinshasa. Sonia Kalfala, Hichem Bourak et Doferé Soro. Voilà, voici quelques-unes des personnes qui nous suivent, qui suivent cette cérémonie d'ouverture depuis donc les réseaux sociaux. Il y a également, bien sûr, à l'intérieur de l'événement même, nous sommes actuellement 148 connectés en même temps. Et donc, ce sont ces 149 personnes qui vont entrer en contact et faire des séances de réseautage. Vous aurez 5 minutes à chaque fois pour vous présenter et ensuite échanger. Je vais bien sûr vous donner les thèmes. On va faire un petit coucou à François Randria, Mamadi Kourouma, Kofi André Kouao, Ba Adama, Odile Kouadio, Jean-Baptiste Kouamé. Vous verrez, il y a vraiment des personnes de tous les pays francophones, sauf peut-être Haïti, parce qu'il est actuellement entre 2h et 3h du matin chez eux. Voilà. Yapoulou Sebamba depuis la République de Guinée. Tous ces noms que vous entendez, ce sont probablement des personnes que vous ne connaissez pas. Et le but de Teach to Reach Connect, c'est quel que soit que vous y consacriez 15 minutes ou que vous passez vraiment les 3 heures à enchaîner les rencontres, vous êtes libre de vous déterminer, mais vous repartirez en ayant acquis des nouvelles connaissances, au propre comme au figuré. De nouvelles choses que vous saurez, mais aussi des nouvelles personnes avec qui vous aurez la possibilité de rester en contact. Voilà donc tout le principe de Teach to Reach Connect. Je vais maintenant me tourner de nouveau vers les membres du comité d'organisation et les team leaders. Je vais me tourner vers Sédou Amadou Traoré pour qu'il se présente, qu'il nous dise ce qu'il ressent actuellement avec cette initiative. Et ensuite, il nous racontera son expérience du réseautage. Alors, il ne répond pas tout de suite. On va essayer. Donc, Lansana Bangoura, Lansana, c'est à vous. Bonjour à vous. Dites-nous alors. Oui. Bonjour, docteur, chef Rida. Bonjour, madame Charlotte. Bonjour à tous les team leaders. Bonjour au comité d'organisation et à tous les participants du réseau. Je vous appelle aujourd'hui depuis la région administrative de Jéricho-Ri. C'est plus de 1000 kilos de la capitale de Conakry. Je suis ami d'État, mais qu'à cela vienne, je suis de cœur avec vous et je suis cette séance d'aujourd'hui très activement. Alors, c'est pour moi cette séance, cette session de réseautage là, vraiment c'est une occasion pour nous et à chaque occasion il faut en profiter pour un renforcement de capacité et ce renforcement de capacité doit nous permettre vraiment d'agir de façon significative, positive et pour renforcer et la vaccination, l'activité de vaccination. Je pense que ça sera une très grande occasion pour les nouveaux et les anciens. Encore de tisser des relations et qui vont nous permettre d'améliorer nos connaissances en termes de vaccination et surtout les trois thèmes qui sont débattus lors des sessions de réseautage, à savoir l'introduction du vaccin et le défi lié à la formation et le troisième point. Voilà. Donc, c'est vraiment une science, d'ici je me parie rapide. Ce que je peux dire en termes d'expérience par rapport au réseautage, depuis notre premier réseau, le réseau COVID-19, moi je suis toujours en contact avec certains collègues, surtout Bénin. Nous maintenant devenus comme des familles, on se prend des nouvelles chaque matin, on s'appelle, on échange et puis c'est comme si nous vivons tout ça dans une ville, et vraiment, j'ai vraiment apprécié ça, et ça fait que j'ai même envie d'aller la rendre visite, c'est une dame, elle a vraiment hâte de me voir aussi, et ça fait un bon moment, on est en train de causer au téléphone, et puis, vraiment, je pense que dès qu'une occasion se présente, on pourra se rendre visite.
soit en Guinée ou Bénin. Vous voyez l'importance de ce réseau, ce que ça fait. Oui. En fait, c'est plus qu'un monde virtuel pour moi. Et puis, c'est comme si nous sommes dans un environnement physique où on se voit et puis tous les jours. Donc, merci, Lansana. Très beau témoignage. On espère que cette rencontre, que vous allez pouvoir rendre visite à votre collègue, à votre consoeur au Bénin. Voilà, alors, Teach to Reach Connect, ici, donc vous assistez à la cérémonie d'ouverture. Dans 14 minutes exactement, vous allez voir le réseautage ici, donc. Pour l'instant, vous voyez, on est sur le live, sur la scène, mais vous allez voir que dans quelques, dans tout juste quelques minutes, eh bien, c'est le réseautage qui va s'activer. Vous allez voir donc la petite pastille live, et là, tout le monde va quitter cette cérémonie d'ouverture et se rendre sur le réseautage. Alors, qui dans la salle peut me donner le premier thème qui va être discuté donc à cette occasion? Je vais demander, donc vous pouvez bien sûr activer votre micro et donc me dire quel est le premier thème qui sera discuté, qui sera le premier membre du comité d'organisation à réagir et répondre. Ok, je vais me tourner vers Hortense Makonga. Hortense, bonjour et bienvenue, j'espère que la connexion est avec vous ce matin. Alors Kwame Georges Conan, on va lui donner sa chance d'expliquer donc quel sera le premier thème. On va rapidement discuter donc des différents thèmes et puis après eh bien on va y aller. Je ne sais pas si je peux parler. Oui Tivan, je sais qu'aujourd'hui le premier thème c'est ça sera l'introduction du vaccin COVID-19. Tout à fait, oui. Et donc vous Tivan Kipabula, qu'est-ce que... Si vous rencontrez quelqu'un d'un autre pays dans le réseautage, quelles sont les questions? Qu'est-ce que vous avez envie de savoir sur ce qui se passe pour cette personne dans son pays avec l'introduction du vaccin? Nous savons tous que nous faisons face. Nous avons tous fait face aux rumeurs. Maintenant, là, d'abord, la première des questions, ce serait d'abord de savoir si leur pays a déjà acquis ou bien a déjà acquis le vaccin. C'est vraiment que ça va comme ici chez nous en Afrique. Mais avant l'acquisition de vaccins et pour passer à la vaccination, nous devons savoir si le pays est déjà prêt. Comment est-ce que le pays s'est préparé pour introduire ces nouveaux vaccins? Comment est-ce que le pays s'est préparé contre les rumeurs? Comment est-ce qu'ils ont préparé la population pour accepter ces vaccins? C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils ont organisé leur vie contre l'hésitation à l'introduction du vaccin? Ça, c'est pour moi la curiosité. Et voilà, apprendre des autres pour voir comment l'appliquer, implémenter leur méthode. Tout à fait, Tivan. Merci. Alors, de nouveau, hein, la procédure est simple. À partir, donc là, on est sur la cérémonie d'ouverture. Donc, ne partez pas tout de suite vers le réseautage, mais dans 11 minutes, eh bien, vous voyez ici le petit onglet réseautage. Vous allez cliquer dessus et préparez bien votre... C'est indispensable donc d'avoir une bonne connexion, d'avoir des écouteurs et un bon micro. Et alors, la webcam, c'est facultatif. Alors, attendez, là, je m'y perds un petit peu. Je vais retrouver... Voilà, donc, vous allez sur réseautage. Êtes-vous prêt? Vous cliquez sur prêt. On va vous demander, donc attention, autoriser, et on va vous demander les autorisations pour accéder à votre webcam et votre micro. Donc c'est totalement sécurisé, donc vous pouvez y aller. Et là, vous allez voir donc les paramètres audio et vidéo, vous les réglez. Et d'ailleurs, voilà, donc vous rencontrez la prochaine personne disponible. Là, ça y est, il y a déjà des personnes clairement qui participent au réseautage. Alors la dernière fois, peut-être que j'ai fait peur. Donc vous voyez ici, vous attendez. Des fois, ça prend un petit peu de temps pour charger. Il faut que les deux personnes aient une bonne connexion. Et là, quand ça marche, eh bien, vous voyez la deuxième fenêtre et vous voyez tout d'un coup l'autre personne qui apparaît. Je vois qu'il y a, en tout cas, c'est sûr, il y a déjà des gens qui sont partis direct sur le réseautage. Je vais quand même peut-être... Ce serait marrant si on arrivait à avoir quelqu'un. D'accord, ben voilà Jean-Paul Kanda qui est... Voilà, Jean-Paul. Alors peut-être qu'on va même pouvoir faire le réseautage en direct avec Jean-Paul.
Voilà, Jean-Paul, je vois que vous avez pris les devants, vous êtes déjà sur le réseautage. Donc, voilà, alors du coup, ça, c'est parfait parce que ça me donne la possibilité de montrer comment ça marche. Si je décide. Par contre, est-ce que vous pouvez baisser votre. Ah, attendez, je vais. Voilà. Donc, si je décide, donc je peux échanger avec Jean-Paul. Si ma webcam ne marche pas, vous voyez ici, moi, j'ai désactivé ma webcam. Donc, il n'y a que mon icône. Mettez une petite photo, hein, si vous pouvez, c'est plus sympathique. Si je décide, l'échange se passe bien. Jean-Paul, je le connais, enfin, je le découvre. J'ai envie de garder le contact avec lui. Vous cliquez sur « Se connecter ». Si ça ne se passe pas bien, eh bien après 30 secondes à peu près, une fois que vous vous êtes présenté, vous dites non, là, ça, soit la connexion ne passe pas, soit vraiment la personne voilà, a manqué de politesse, ou enfin, quelle que soit la raison, vous pouvez quitter, hein, il n'y a aucun déshonneur à quitter et passer à la réunion suivante. Donc là, j'ai décidé, Jean-Paul est plutôt sympathique, donc je lui envoie une invitation. Et lui doit répondre à l'invitation et confirmer qu'il a envie de se connecter avec moi également. Voilà, succès, tu peux voir ton nouveau contact sur ton profil. Et du coup, je peux maintenant rester en contact avec Jean-Paul au-delà de cette première rencontre. Vous voyez le bouton « Extend ». Alors là, vous voyez, vous avez 5 minutes hein, pour chacune des rencontres. Si vous décidez, vous pouvez prolonger. Souvent, quand la discussion se passe bien, par exemple sur l'introduction du vaccin Covid-19, 5 minutes, ça fait court hein, pour parler de choses très compliquées. Donc, vous pouvez d'un commun accord, de nouveau, cliquer sur « Extend » et obtenir une extension, donc rallonger la durée de la réunion. Attention, il faut de nouveau que les deux parties cliquent sur le bouton « Extend ». Il faut que vous soyez tous les deux d'accord pour prolonger l'échange pour pouvoir le faire. Donc là, du coup, il reste 3 minutes. Donc ce bouton-là, je ne vais pas pouvoir vous montrer comment ça marche. Mais c'est vraiment aussi simple que ça. Alors là, Jean-Paul voilà, a été très gentil et patient. Une fois qu'on a terminé, je quitte sur « Quitter ». Et boum, de nouveau, on me demande « Est-ce que je suis prêt ?» et je peux passer à la réunion suivante. Donc voilà, c'est vraiment aussi simple que cela. Ce que je vais vous demander, si vous êtes donc sur la séance ici, c'est de taper dans la fenêtre du chat. Je vais vous montrer un petit peu. Attendez, je vais m'enlever ici. Donc, on est ravis d'être avec vous également, cher Dieudonné. Voilà. Si vous êtes prêt pour le réseautage, prêt ou prête pour le réseautage, tapez « oui » dans la fenêtre du chat comme je viens de faire ici. Donc, vous êtes sur la scène. Lydia Bukassa, si vous êtes prête pour passer au réseautage, donc cela va se faire dans 7 minutes. On va encore entendre des membres du comité d'organisation, Teach to Reach et des team leaders avant de repartir dans les salles. Et on va vous rappeler les deuxième et troisième thèmes. Voilà, Jean-Pierre Okanjo a bien compris, a tapé oui. Palenfo a tapé oui. Alors pour l'instant, il n'y a que 3 personnes qui sont prêtes au réseautage. Dieudonné, voilà, ok, c'est mieux. Fidèle, Romain. Alors il y a également depuis YouTube, Ibrahima, vous avez tapé oui. N'oubliez pas de revenir dans la salle. Aurélie, Casimir, oh, formidable. Et présentez-vous hein, aussi sur le chat de l'événement. Voilà, j'ai vu un micro qui était activé, donc il nous reste tout juste 6 minutes avant de lancer l'ouverture officielle du réseautage. Il y en a qui sont déjà dessus, hein, ça c'est sûr, mais donc j'aimerais retourner vers Hortense, voir si, et Georges, pour demander qui connaît le deuxième thème. Donc là j'ai besoin d'un Teach to Reach, peut-être Trésor. Valérie, alors qui parmi les Teach to Reach peut nous expliquer quel sera le deuxième thème? Donc à partir de 10h, heure de Genève, on va passer au second thème. Il n'y aura pas de transition. J'ai encore une chose à vous montrer. Oui, Kwame Georges Conan, je vous écoute. Donc, quand tu vas au oui, donc... Quoi, mais Georges Conan, quel est le deuxième thème de Teach to Reach Connect? Ok, on va passer à Patrick Calamba. Là, c'est le matin, peut-être que le comité d'organisation n'est pas encore complètement réveillé. Patrick Calamba, c'est à vous. Oh, là, je vois votre photo, mais je ne vous entends pas. Je vois bien qu'il y a du son, mais ça ne passe pas, malheureusement, Patrick.
Eh bien, c'est comme ça, c'est la vie. Vous allez voir, ça, ce sera la même chose dans les réunions de réseautage. Il y aura peut-être des personnes très intéressantes, mais à cause de la connexion, vous allez être obligé de passer à la personne suivante, comme je vais faire ici. Donc, Lansana, vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose. Lansana, on vous écoute. OK. Bon, en fait, comme il n'y a pas de répondant, je voudrais vous aider à répondre à la question posée, quoi. Par rapport au deuxième séance. Allez-y, Lansana, quel est le deuxième thème? Alors, à partir de 10h, heure de Genève. Oui, c'est comment améliorer la formation dans le domaine de la vaccination. Tout à fait, oui. Et donc, oui. Actuellement, dans presque la totalité des pays, c'est vraiment un problème. Parce que les agents formés ne font que bouger du jour au lendemain. Donc, il faut mettre en place un mécanisme de formation continuelle qui va permettre de toujours garnir le système de vaccination. Tout à fait. Et pour vous, voilà, pour cette séance, quelle sera la question que vous allez poser ou qu'est-ce qui vous intéresse sur cette question d'améliorer la formation? En fait, c'est une problématique qui a été toujours au centre des débats. Moi, je demande aux collègues surtout et quelle sera la stratégie pour pérenniser, comment dire, des ateliers de formation pour des périodes de longue durée, des ateliers que nous organisons de 5 jours, 10 jours ou bien de 3 jours comme ça. Comment et en sorte que des agents déjà formés restent en place, quel mécanisme mettra en place pour, disons, retenir les agents déjà formés pour ne pas occasionner une situation dans laquelle à chaque agent formé, quelques mois ou quelques années après, il quitte. Quelle sera la stratégie qu'on va adopter pour vraiment corriger cela? Parce que de nos jours, c'est un grand problème. Merci, Lansana. Donc ça sera la deuxième séance à partir de 10h. Il n'y aura pas de transition. J'ai deux dernières choses à vous montrer. Donc voici la première. Donc vous êtes là, je vous ai fait rentrer sur mon mail personnel. Donc je suis bien sûr inscrit pour l'événement. Et vous voyez ici, donc je viens de recevoir un mail, introduction du vaccin COVID-19. Et donc gardez un œil sur votre courriel parce que vous allez recevoir deux autres courriels, un donc sur l'amélioration de la formation, le deuxième thème, et le troisième thème, les enfants zéro dose, donc les enfants qui n'ont jamais reçu de vaccin. Donc ce sont les enfants en contexte urbain qui sont pas atteints par les programmes de vaccination, en contexte rural, dans les zones reculées, dans les zones de conflit, et ce sera donc le troisième et dernier thème de la matinée. Mais vous voyez donc d'ores et déjà, à vous montrer. Donc, vous avez tous reçu ce mail. Hein, donc, vous pouvez le retrouver. S'il est dans les spams, sortez-le. Et vous avez donc le bouton pour démarrer le réseautage. On vous recommande d'éteindre votre webcam et d'utiliser que l'audio. Et vous avez donc une série de questions qui sont là comme guide. Hein. La plupart d'entre vous, probablement, n'auront pas besoin qu'on vous aide à vous rencontrer. Mais voilà, si vous êtes un peu timide, eh bien, voici quelques questions que vous pouvez poser à votre interlocuteur ou votre interlocutrice. Et voici quelques questions à discuter. Donc, veillez sur votre inbox. Vous allez recevoir d'autres mails comme celui-là. Et enfin, donc, dernière chose. Donc, c'est ici, vous voyez donc le réseautage. Et je crois que c'est tout. Hein. Il est 8h59. Si tout le monde est prêt, j'ai vu beaucoup de oui inscrits dans le chat. Donc là, il y a actuellement près de 200 personnes. Vous avez la possibilité, dans les 3 heures qui viennent, de rencontrer jusqu'à 200 personnes. C'est vraiment la proposition de Teach to Reach Connect et de garder le contact. Si les deux personnes sont d'accord, vous resterez en contact avec elles. Vous pourrez échanger votre WhatsApp ou Telegram ou ce que vous voulez. Voilà, c'est tout pour cette cérémonie d'ouverture. De nouveau, merci pour votre confiance. Merci d'être présent avec nous. Et bon réseautage. C'est inédit. C'est la première fois que nous faisons... Voilà, que nous tentons ce type d'expérience. Je vais demander donc, demander aux membres du comité d'organisation de vous saluer, puisqu'ils sont nombreux dans la salle également, et de faire du bruit. Leurs micros sont activés.
Yes, il est temps, tout est parti. Voilà, donc allez-y, rendez-vous au réseautage maintenant. Ne soyez pas timides. Vous voyez quelques-uns des membres du comité d'organisation. Allez-y, c'est à vous pour parler de l'introduction du vaccin Covid-19, quelle que soit la situation dans votre pays. Le réseautage a commencé. Vous voyez maintenant, le réseautage, c'est maintenant. Voilà, bonne séance. Et à 10h, donc en change de thème, veillez sur votre inbox parce que c'est là que vous allez trouver les questions clés, des informations qui peuvent être utiles pour nourrir votre discussion. À bientôt et merci à tous. Merci beaucoup. Merci Reda, merci à tous. Je te rappelle après.